Valentin Liénard nous rejoint et on est content de t'avoir avec nous. Donc bienvenue Val. Sur les moments d'activité, on doit être à 200%. Je préfère que vous ratiez avec intensité que de réussir dans le confort. Va finir. Si on est ensemble, si on travaille ensemble, vous êtes quasiment invincible. Précédemment, dans QDF, je vous ai dévoilé mon nouveau club, le Thonon Evian Grand Genève FC. Un top club de N2 avec de très grosses ambitions. Après avoir fait la rencontre de trois de mes nouveaux coéquipiers, formé au PSG, mes 7 ans à mes 20 ans. Formé à Nice, depuis 13 ans, jusqu'à mon premier contrat professionnel. Après une grosse partie de ma carrière en Ligue 2. J'ai joué en Ligue 1 au Sénégal, j'ai été champion du Sénégal en 2016 avant de venir en France. On vous a amené visiter les magnifiques infrastructures du club. Là, le bureau du coach. Ok, petite pièce de vie là. Et voilà, petite pièce de vie, la vraie pièce, le sas. Du coup, là, on a le synthétique à disposition. Là, ouais, c'est la petite salle presse, c'est ça? Salle de sport, les locaux administratifs et de l'académie. Comme vous l'avez vu, on a absolument tout à notre disposition grâce à ce complexe digne d'un vrai club pro. Place désormais à ma toute première séance avec ce nouveau groupe. La team, ça y est, on se retrouve ce matin pour mon tout premier entraînement avec mon nouveau club. Là, en attendant mon appart, ils m'ont mis dans des top conditions à l'hôtel, donc vraiment génial. Petit chocolat qui fait du bien. B&B, super prix, l'hôtel top, 42 balles le petit-déj. J'ai pris un chocolat. Le rat. Discret, prudent et très proche de l'homme. Petite dédicace pour mon ami Olivier Lorenzi. C'est parti. Il y a une bonne playlist. Elle est atypique. Valentin Liénard nous rejoint. Il restait un poste à combler au niveau des latéraux et on est content de t'avoir avec nous. Donc bienvenue Val. Deux joueurs ici, moi je vais être là avec un ballon. Coup de sifflet, vous sprintez, rencontrez ici, il va y avoir un ballon au milieu, le premier qui arrive et qui marque à droite ou à gauche. Par contre, le joueur qui envoie son copain à ce contact-là avec un coup d'épaule et qui fait basculer la chaise a déjà gagné le duel. Il y est. Hey, remettez les chaises. C'est un ancien, il part quand il veut. Ouais. Ouais, chope-le. Elle est là. Ouais, bien joué. Ouais. Ouais. Allez. Wow. Oh. Aïe, aïe, aïe. Val, bienvenue en N2. Ouais, aïe. Chope-le, chope. Bien joué, piche. Ouais. Y'a rien. Fini. Largeur de surface, deux touches dans votre camp, libre dans le camp adverse. 2 fois 8 minutes, c'est un mini tournoi. Ça tourne. Les bleus là-bas, en espérant que vous reviendrez avec d'autres intentions. Bien joué, Val.
Jordan, excellent. Jordan, excellent. En une à la récup vers l'avant, Jordan, excellent. Les gars, il y a deux touches dans le camp adverse. C'est là où il faut aller presser. Privilégier le jeu vers l'avant. C'est le jeu. Super Younes. Il y a 6 passages, il y a 4 ballons à jouer. Ce que je veux, c'est que sur les moments d'activité, on doit être à 200%. C'est-à-dire l'intensité, on doit la mettre. Je préfère que vous ratiez avec intensité que de réussir dans le confort. D'accord? Ok, on y va. Viens. Tu là. Ouais. Ouais. Aldo. Contrôle. Bam. Bam. Ouais. Prends ton temps. Là. Viens. Bam. Bam. Va finir. Fais le tour. Bravo. Aldo! Ouais, bon ballon, amène-la. Pourquoi pas, passe au milieu tranquille. Tu fais toi 10 000 balles. Tu fais toi 10 000. Val, ta troisième frappe. Frappe, vas-y! Gagnez ce petit centimètre, ce petit temps d'arrêt qui vous fait perdre d'être au rendez-vous à chaque fois. Va finir là-bas. Aldo! Aldo! Ouais! Allez! Bam, bam! Prends ton temps, Val. Prends ton temps. Bam, bam. Très bien. Il est là. Bam, bam, bam. C'est bien. Hey. Super. Prends ton temps, Baptiste. Prends ton temps. 3, 4. 1, il est là. Attends un peu. Attends, ici. Pourquoi tu te mets les shorts comme ça? Parce que ça me gêne. C'est... Caméra? Rien à voir? Allez! Allez! Bam! 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 Ouais! Elle est bonne! Ouais! Ouais, le grand! Prends ton temps! Prends ton temps! Change de rythme! C'est le perfect! C'est le perfect! Va finir le perfect! Va à la tête! Va à la tête! Va à la tête! Va! Ah putain! C'est quoi le principe, Hugo? T'arrives en retard, mais tu t'embrouilles avec un collègue. C'est les amendes, hein, gros quoi. Lui, il a pris petit déj. C'est Chaka, petit déj. C'est à toi, Thierry. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Voilà, là, très bien. C'est pas assez fort? Non, c'est pas assez fort. Ouais, fais. Alors, moi, c'est le matin. Un vrai spin. Ouais, ça marche pas, ouais. C'est quoi le jackpot? C'est quoi? Tout le vestiaire lui donne 2 euros. C'est un mec chanceux. Même quand il joue au foot, il a la chance. Ah ouais, c'est vrai. Paypal, Paypal. Comment ça, non? C'est l'argent, non? Non, 2 euros. 2 euros, là. On va checker la cheville avec le kiné maintenant. Oui. Si la ligne de hors jeu, elle est là. Ouais. Greg, lui, il me dit. Bon, ça, c'est la médiane. Hein, ouais. Il y a 3 couloirs de jeu. Ouais. On les a vus. Si on occupe avec un joueur ici, plein axe. Ouais. Et que moi, je me retrouve ici. Et qu'on met un deuxième joueur là. Mm-hmm. Mais derrière, on fait rentrer un joueur plus défensif et on le met là. D'accord, vas-y. Et que je me mets là. Voilà. On est d'accord? Okay. Là, je te bloque. Voilà. La course vers l'avant. Ouais, ça joue, ça joue. Et on est bon. Et ça fait ex-aequo, on est d'accord? Nul. On est sûr qu'il y aura un match nul. Voilà. Voilà. On est tous d'accord. C'est pas mal la mise en scène, hein? Ils l'ont fait tout à l'heure, les mecs. Génial. Si on est en 3-4-3, je passerai là. Ah, le bâtard! Le bâtard! On se retrouve toujours pareil, en 3-5-2. Eh ouais, mais... Ah merde! Ah merde! On
Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e journée du championnat national 2. Comparé à la N3, il y a un vrai fossé, que ce soit techniquement et physiquement. On est vraiment aux portes du niveau pro, puisqu'au-dessus, il n'y a plus que le national et ses 18 équipes, qui deviendra d'ailleurs avec les réformes la Ligue 3 dans quelques années, et ensuite la Ligue 2 et la Ligue 1. Le championnat est composé de 4 poules de 14 équipes. On y retrouve des réserves pro comme Lorient, Auxerre, Angers ou encore l'En Avant Guingamp, mais aussi de très grosses équipes qui veulent tous leur place parmi l'élite, comme Chambly, Boulogne, Bourg-en-Bresse, 3 clubs qui étaient encore en Ligue 2 il y a quelques saisons. Paris 13 Atlético, encore en National l'année dernière, Bergerac, le Racing Club de France, les Herbiers, l'UF Mâcon qu'on connaît bien, et il y a même d'ailleurs le FC Libourne, le club de H10. Dans notre poule, la poule A, on va avoir des adversaires très solides comme le mythique club de Toulon, le FC Hier de Mourad Boudjella avec un gros budget, l'AS Cannes, gros club historique qui a de gros objectifs, l'OAC, mon ancien club, ou encore la réserve du TFC. Fin d'année dernière, j'ai découvert la poule du Sud, et qui est une poule assez compliquée, et les terrains sont pas forcément bons, c'est chaud, les équipes sont assez rugueuses, beaucoup de duels. C'est un championnat très athlétique avec des équipes qui lâchent pas beaucoup, qui mettent beaucoup d'engagement. Mais je pense qu'on a les armes pour pouvoir faire face à ça. À l'issue de la saison, le premier de chaque poule sera premier en national et les 5 derniers de chaque groupe, ainsi que le moins bon 9e, seront eux relégués en national 3. En 2024-2025, le nombre de clubs engagés sera ainsi ramené à 48 suite aux réformes des championnats français. Notre objectif cette saison avec le TEG est très ambitieux. L'objectif, c'est d'être en haut, clairement. On va pas se mentir. Maintenant, on sait que c'est un championnat très compliqué, très homogène. Mais clairement, on a conscience que ça passe par de la régularité. Et l'équipe peut-être la plus forte dans ce domaine-là arrivera à s'extirper. Après 4 journées de championnat et un début un peu poussif, on est classé 7e ex aequo avec 4 points. On n'est pas à la hauteur de nos espérances, clairement. Sur les 2 premiers matchs, on s'attardait en termes comptables à avoir beaucoup plus. Puis derrière, il y a une grosse déconvenue face à hier où on sort un petit peu du plan, peut-être parce qu'on veut faire autre chose que sur les 2 premiers matchs, mais peut-être qu'on était dans le vrai sur ces 2 premiers matchs. Une belle gifle qui, je pense, nous a fait du bien. Hein. Alors, c'est facile de dire ça après. Quand on sait que derrière, on a réagi contre une très grosse équipe de Toulon, une favorite à la montée. À l'occasion de cette 5e journée de championnat, N2, on affronte Andrézieux. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le championnat de N2. Je crois qu'ils sont sur 4 matchs sans victoire. Donc ils vont avoir la dalle, ils vont avoir envie de gagner. Je pense que le groupe le savait déjà, mais ont bien compris que National 2, c'était d'abord un combat physique plus qu'un combat technique. On a battu Toulon avec ces armes-là. Allons à Andrézieux avec les mêmes armes, en rajoutant un petit peu plus de qualité dans le jeu quand même. Je pourrais malheureusement pas jouer ce match. Bon, déjà parce que les soins de ma cheville sont pas totalement encore terminés. J'ai à peine repris l'entraînement cette semaine et surtout parce que ma licence n'est pas encore validée, donc de toute façon j'étais pas convocable. Ça, c'est exceptionnel, tu joues cet après-midi avec? Non, je sais pas si je joue avec. Par contre, j'ai vu ça aussi, regarde, dis-moi ce que t'en penses. C'est à qui? C'est à moi, ça. C'est à toi? Ouais, c'est moi. C'est incroyable. T'as affaire à un artiste, non? T'es pas dans les Mercure, Puma. J'adore le numéro là. Ah oui, d'accord, et bah oui, tout s'explique. Ça, c'est compliqué. En vrai, t'es pas comme ça. Ouais. Ils vont le voir bientôt. Qu'est-ce que tu fais? T'es habité. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pareil, c'est ça? Ouais, bah, j'espère bien. Ça va, t'étais calme? Ça, c'est mon domaine. Là, je suis tranquille. Là, je suis tranquille. On est 4 points après 4 journées, d'accord? C'est trop peu pour une équipe ambitieuse. Les équipes qui vont jouer la montée, c'est 2 points. De moyenne par match. On est à 1 point, d'accord? Si on veut rattraper ça, il faut gagner les 4 prochains matchs. L'adversaire, il est sur une série de 3 défaites consécutives, d'accord? Il sera dans le même état d'esprit que nous la semaine passée. Si on n'est pas prêt à ça, on est mort. Donc il va falloir, nous, être encore un étage supérieur de ce qu'on a fait la semaine passée en termes d'état d'esprit. Mais ils ont aussi la pression, parce que nous, la semaine passée, ça bascule dans notre sens. Mais on prend le premier but, un truc, un pénalty, un carton, et on peut vite s'écrouler. Donc ils sont aussi avec cette forme de pression et on doit s'en servir. Et ceux qui ont besoin de gagner, plus que nous encore. La clé du match, solidarité défensive comme offensive. On doit défendre tous ensemble. Et on doit accompagner toutes les attaques ensemble. Si on est ensemble, si on travaille ensemble, vous êtes quasiment invincible. Centimètre par centimètre, mais c'est aussi semaine après semaine. Est-ce que chaque semaine, je suis capable de me battre pour centimètre? Est-ce que chaque semaine, j'ai la dalle? La vérité, elle est là. C'est bien de le faire sur une semaine, quand on a besoin. C'est encore mieux de le faire quand on est dos au mur. Mais le faire toutes les semaines, la vérité, elle est là. Et vous l'avez. Bon match.
nous le bus, l'organisation c'est comment? Ah là c'est le carré vif. L'antigène qui cherche un peu la place, où il y en a. Ok. T'as des enceintes derrière. Allez, enceinte. Attends, bah tu l'arrêtes, c'est les deux qui gèrent le bus. Ils ont blé qui? L'enceinte. C'est le meilleur joueur, l'enceinte. D'accord. Et c'est quoi le thème dans les bus? Là en ce moment on est sur un bingo. Ok. Mon petit bingo. C'est mardi. Tu as eu l'idée de ce loto ou comment ça s'est passé? Alors écoute, quand on est parti en stage là, à Tarvisio, j'ai fait découvrir à tout le monde un jeu qui s'appelle le bingo. Mais c'était sur le téléphone tout ça. Et en revenant, y a Coco qui allait acheter le jeu, le vrai bingo. Et du coup, maintenant dans le bus, sur les longs déplacements, on joue au bingo. Je m'appelle Cyril Martin Pichon, j'ai 25 ans et je suis milieu de terrain. Formé à Sochaux, passé par le Pôle Espoir de Dijon aussi. Ensuite, Saint-Étienne pendant 6 ans, où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Après, je suis revenu à Bourgoin et là, depuis un an et demi, je suis au TEG. Le projet était magnifique, les infrastructures, c'est digne d'un club pro. On s'entraîne le matin, il y a tout à disposition. Ça a beaucoup de potentialité. Il y a beaucoup de potentialité ici. Moi, je vais pas dire des trucs comme ça. T'inquiète pas. Ok, tu connaissais QDF? Ah ouais, je regardais beaucoup quand t'étais à Villefranche. Quand t'as vu le coach Campi, tu t'es dit quoi? Ah, quand je l'ai vu, j'ai repensé à tes vidéos. Super belle découverte, coach Campi. Kev, un petit mot? La bagarre. Tout ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre! La victoire, la victoire. Ouais, c'est ce qu'il faut. Franchement, là, quand on voit un stade comme ça, ça donne envie de jouer de fou. Mais bon, va falloir attendre déjà de bien avoir terminé de soigner l'entorse et après que ma licence soit validée. J'espère que ça va arriver vite dans la poule. En vrai, il y a pas mal de beaux stades. Toulon, hier, c'est des grands stades comme ça avec pas mal de monde. Alès aussi, que je connais bien pour le coup. J'aimerais bien le jouer. Ça serait kiffant de jouer l'OAC. D'accord, on va se mettre dedans pour se réveiller. Allez, allez, allez. Disponible. Ouais, bravo. Ensemble bleu, ensemble. Ensemble bleu. Eh, va voir ailleurs, Joe. Eh, bien joué, Scara. Eh, les gars, ça sert à rien de faire des grands discours. La solution, vous l'avez fait la semaine dernière. En termes d'intensité et de don de soi, c'est la même copie que la semaine dernière. Le football, ça va être une autre histoire. Il va se passer plein de choses. Mais si en termes de copie, le don de soi et la dalle que vous avez mis, c'est vous qui l'avez. Et la solution, elle est là. La solution, elle sera là. Ok? D'accord? Allez, on compte sur vous. Allez, les gars. On rentre avec la dalle, on se donne tout pendant 90 minutes avec la dalle. Okay. Du début à la fin, on montre, on met de l'intensité, on est ensemble. Ensemble. Allez les gars. Allez, 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 allez. Va ici, va ici.
C'est pas normal. Excellent. Non, je suis en 80 je te dis. Regarde. Faut quoi il est rentre dans l'axe quand on a le ballon. On va passer à deux attaquants. Issia ! On va leur créer un problème. On passe à deux devant et toi tu passes presque piston. Ouais, t'es au milieu, tu te rajoutes à trois au milieu et tu viens faire la diagonale quand Issia il a besoin. C'est but. Bravo Johan. Sans faute Bada. Bien joué Bada. Ah, il peut lui casser la jambe. Allez, les gars, c'est bien, c'est très bien. Il faut aller, ils sont pas sûrs, ils sont dans le doute. Trois défaites et ils sont menés chez eux. Et là, ils vont réagir fort. Mais si on les agresse, on va vite les mettre dans le doute. Chaque ballon qu'ils perdent, ça va commencer à siffler dans la tribune. D'accord ? Donc, on a un vrai avantage. Jouez, faites-les courir. Maintenant, ils doivent revenir au score. Faites-les courir, tac, tac, tac. Et après, on trouve au milieu. Et là, ça déclenche des choses. On va pas se cacher toute l'année. Déterre, on mène 1-0, on prend pas de but. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit quoi avant le match? Si on défend bien, on prend pas de but, on gagne ce match. C'est encore plus vrai à la mi-temps. Ok, allez, déterre. Eh, il est super important celui-là. On lance une série là. Allez, allez, Blanc, allez, ensemble. Faites pas de faute les gars.
mon petit. Eh, des chiens qui défendent comme des chiens. Allez. Moi je pense la piste. Bon, il décale. Tu peux faire du bien. Ouais. Parce qu'il va, lui il va penser au tâche d'être, tu vois. On envoie Baptiste après. Allez, la piche. La piche. Grosse activité. Sors, faut qu'on agresse. Piche, t'as une grosse demi-heure pour faire la demi-heure de ta vie. Parce que là, tu vas prendre du plaisir. D'accord. Là, c'est que du bonheur. Passe couloir gauche, d'accord. Viens beaucoup aider Tchéco et après fais mal dès que t'as la balle. Jordan, il faut que tu sois sur tous les seconds ballons et attaque-les le plus tôt possible avec les surfaces que tu peux. Et agressif sur les CTA. Allez Jordan.
indispensable pour monter dans ce championnat. Le travail que vous avez fait, l'investissement que vous mettez, vous méritez de lancer une série, vous méritez de lancer définitivement ce championnat. Ici à domicile, on doit être costaud. On doit déjà jouer en leader, tant en termes d'impact, tant en termes de sérénité, en termes d'attitude, on doit montrer une équipe qui va jouer le haut du classement. Et on reste concentré, structuré, et on sait ce qu'on a à faire, et ayez confiance en vous. OK ?